L'aire d'exercice, finalement, c'est là où tout va se passer entre le travail et le mouvement des animaux, l'expression de leur comportement naturel, leur alimentation, leur abreuvement, etc. Donc c'est un élément très important du bâtiment, c'est le lien avec tous les postes importants, le bloc traite, le stockage des déjections, le couchage des animaux, l'aire d'alimentation, la contention, les zones de vélage, etc. Donc c'est un petit peu le carrefour. Donc il faut en prendre bien soin dans la conception. Les points de vigilance, c'est l'organisation de cette aire d'exercice pour que à la fois la circulation des animaux se fasse de manière fluide, mais que aussi on puisse intervenir correctement avec nos engins, nos tracteurs, les racleurs, etc. Et puis assurer des conditions de circulation confortable pour les vaches, que ce soit pas glissant, etc. Donc ça, c'est les points de vigilance. Et puis les recommandations dimensionnelles. Donc il y a beaucoup de points d'attention au niveau de la conception. Il y a d'abord le dimensionnement, en fait, qui permet une bonne circulation au sein du bâtiment, un bon accès aux différentes zones, qui permet aux animaux d'exprimer leur comportement naturel. Voilà, donc là on a redéfini un peu les dimensions conseillées des couloirs. Donc vous trouvez ça dans la brochure qui sera en ligne. Et derrière, en fait, il y a aussi des recommandations sur la nature des sols. Donc c'est vrai que le béton, il est un peu incontournable, voilà, et avec des problèmes quand même des fois de glissance. Voilà, donc on peut avoir des solutions éventuellement sur les bétons pour ajouter d'autres matériaux. On a aussi des soucis d'évacuation rapide des effluents, donc qui est nécessaire. Donc il y a aussi des innovations dans ce domaine-là pour évacuer le plus rapidement possible l'humidité. Et aussi quand on conçoit des aires d'exercice, donc on a des conséquences aussi sur l'environnement. C'est-à-dire que au plus on augmente les aires de vie par animal, au plus on augmente les émissions d'ammoniac. Donc faut bien comprendre que c'est toujours un compromis entre les besoins d'un côté par rapport au bien-être, d'autre côté les aspects environnementaux. Donc on est toujours obligé de faire des choix. Pareil, on est souvent dans l'organisation de bâtiments existants. Donc là, ce qu'on publie, c'est plutôt des recommandations vers quoi on doit tendre. Mais à chaque fois, il faut s'adapter. Et dans un bâtiment existant, faut jamais négliger le couchage. On ne va pas réduire les dimensions des logettes pour avoir les bonnes recommandations en termes d'air d'exercice. Alors le bâtiment idéal, non, ça n'existe pas parce qu'on part toujours de l'existant. Et même quand on fait du bâtiment neuf, il y a toujours des contraintes, hein, que ce soit des contraintes de terrain, des contraintes financières, même des contraintes d'équipement qu'on veut mettre en œuvre, de taille de troupeau, etc. Donc on ne fait jamais le même bâtiment et on fait toujours des compromis. Il existe des solutions. Par exemple, si notre bâtiment il est trop petit, il est comme ça, on n'a pas les moyens de réinvestir dans un nouveau bâtiment, on peut parfois aménager par exemple des aires complémentaires à l'extérieur, monopoliser une aire d'attente, par exemple une aire d'attente avant la traite, hein, qui est plate. On peut des fois ouvrir la journée si elle est facilement nettoyable, si elle n'engendre pas plus de travail pour l'éleveur. Il y a des fois des solutions, des petits trucs à gratter et puis qui vont apporter une fonctionnalité à la fois pour les animaux et sans plus de contraintes ou sans trop de contraintes pour les éleveurs. Par contre, quand on va repartir du but en blanc et devoir reconstruire du bâtiment, reconstruire des aires d'exercice, il y a des coûts importants. Aujourd'hui, investir dans du bâtiment, c'est très cher, donc il faut bien se poser et bien voir comment on peut faire évoluer nos bâtiments.